vis dans les étoiles depuis que t'es là. Regarde-moi, regarde-moi. Salut Akilou. Hello Chacha. Salut les enfants. Bonjour. Je crois que c'est la première fois où je te dis bonjour à toi avant de saluer ces gens. Non. Non? Non, je crois que c'est toujours comme ça. On vérifiera, tu crois. On checkera les anciennes vidéos. Ça résonne, hein? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on n'a pas enlevé de meubles. Waouh. Oh, pas dès des premières secondes. Bah, si. Bah non, on peut pas commencer une vidéo comme ça, les gens ils vont mettre la petite croix. Bah oui, c'est sûr. Bon les enfants, j'espère que vous allez bien. Bah oui. Non mais j'attends que tu dises bonne année. Ah bah bonne année. Parce que moi c'est fait, mais toi Ah oui, c'est vrai. Bah oui, mais une bonne année. Bonne année. Une douce année pleine de liberté. Oh écoute, voilà. On l'espère. On enchaîne ou bah, bien sûr, non, parce qu'on parlera des produits terminés. Ah oui, non, moi je disais on enchaîne avec la vidéo. Ah d'accord. Soit si oui, tu voulais t'éterniser sur les vœux. Non, c'est bon. C'est bon, je pense que c'était simple et efficace. Voilà, c'est ça, pas besoin de plus. Ouais. Les enfants, on se retrouve évidemment pour la vidéo mensuelle des box beer. J'allais dire beer, tu penses pas du tout. Blessia. Et la beautiful box. Pas de petit brief. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens juste de me rendre compte, t'as pas vu? Non. Moi je le vois direct. Beautiful box. J'aime la galette, savez-vous comment? Quand elle est bien faite, avec du beurre dedans. Avec du beurre. Sacré plaquette, hein, je te dis. T'en as mangé combien? T'as été raisonnable? Bah oui. Ouais? Ouais. Ouais. C'est vrai, moi j'en ai toute la semaine de l'épiphanie. Bah au boulot, parce qu'en fait on a acheté plein au boulot, donc après on l'avait au petit-déj, et puis après au petit-déj, bah il en reste. Normal, c'est comme la raclette. On s'en sort pas. Bon, les enfants, du coup, Akilou veut pas parler du mois précédent, mais en même temps c'était compliqué. Il y avait 4 box. T'étais contente de retrouver des crèmes parce que t'avais plus rien à te mettre? Bah c'est ça, c'est que là je mets une super crème, un super sérum visage que j'ai dedans. Ouais. La palette Silk. Ouais. Canon. Y a pas de flop, hein. J'ai fini aussi shampoing à la boue. c'était les super ingrédients. Ouais, c'est ça. À la coco, donc il y avait la coco, la coco. Je me suis servie de plein de trucs. La coco, la coco. On peut pas dire le coco comme ça. Le soin à la coco, canon. Le shampoing pailleté, ben bien. Mais en même temps, moi, mes cheveux, j'en prends soin. Pour moi, je sais pas ce qui fait que. Ouais. Bah, des fois, tu te rends compte que c'est moins bien que d'habitude. Ouais, sur certains produits. Tu sais que c'est pas démêlé, que c'est, je sais pas, c'est tout lèche. C'est Kevin Murphy. Ah, la Stom, sacré Bouddha, moi. Bah, c'est ça, mais surtout que comme c'est des dosettes, c'est des doses pour un shampoing, bah c'est. Oui, c'est. T'avais vite fait le tour, quoi. Par contre, j'ai acheté un soin chez Action. Ah ouais? Un masque. Par contre, c'est pas du tout zéro déchet et tout, c'est sûr qu'ils ont des pochettes. Tu sais, c'est des pochons. À l'unité. À l'unité. En fait, d'habitude, j'ai mon après-shampoing. Pas l'après-shampoing, mais le masque capillaire de chez Aromazone. Ouais. Et j'en avais plus parce que je venais de faire mon aîné, enfin blablabla. Et en fait, j'en ai pris un vite fait comme ça dans le rayon parce que j'avais pas envie d'acheter un gros truc. Et donc, c'était mangue et passion. Ma vie, la passion. Ouais. Et canon. C'était nice. Ouais, ouais. Je l'ai senti après à les avoir lavés en fait. Voilà. Ok. Mais rien à voir avec la box, hein. C'était juste pour dire. Ouais, écoute, tu donnes des nouvelles. Voilà, des petites nouvelles. Voilà, voilà. Ok, donc. Et puis, comme tout le monde, hein, j'ai regardé les chroniques des Bridgerton. comme tout le monde, j'ai regardé Lupin, les Gentlemen Cambrioler. Donc, moi, je vous en parlerai dans 6 mois. En vous disant, je sais plus qui m'en a parlé. Et là. Bah oui, je kiffe, là je suis dans The Crown. D'accord. Là je suis à fond sur la couronne. Voilà. Ok, bon bah écoutez, on est ravis de retrouver Akilou en pleine forme. Et puis bah on va peut-être enchaîner. Alors Akilou, je vous préviens tout de suite, elle faisait la gueule. Non bah, bah, si. Mais j'ai pas fait la gueule, bah, je dis pas que si. Non. Franchement, elle a ouvert, elle a dit. Bah, bah encore. C'était exactement bah, oui, ça. Encore une pochette. Mais c'est juste nice. Mais non, mais je sais que c'est nice, mais c'est bizarre. T'as besoin de tiroir, t'as besoin de boîte pour ranger. Non. Mais en plus, j'adore. Là, depuis tout à l'heure, j'arrête pas la touche. La matière, elle me fait kiffer. Quand on a l'impression que c'est une doudoune. Bah, tu pars au ski. Enfin, tu pars. C'est comme si tu partais au ski virtuellement. C'est ça. Donc, une petite troussasse en mode doudoune. Non, mais je comprends. En fait, tu préfères. T'attends impatiemment la box de décembre parce que tu sais que tu vas avoir une trousse. Ouais. Et si on t'en met tous les 4 matins, là t'as bah, plus le... c'est ça, à un moment t'as plus le... Waouh, voilà. Super. C'est super Michel. Donc on y va avec celle. Oh bah écoute... Bah oui, parce que la galette on va voir. Ah j'aime. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'amandes. Mais arrête de tout deviner d'avance et bah, qu'il sur la PCR. Oui, c'est vrai. Alors on commence, j'ai un gros truc dans ma main. Qu'est-ce que c'est que ça, Akilou? Moi j'ai pas de papier, là j'ai rien. Sorry. Alors c'est Fresh Start. Bien sûr, on démarre l'année sur les chapeaux de roue.
Et on commence avec un truc qui va bien me plaire. C'est un crayon, un eyeliner liquide. Je vais tester, j'ai pas du tout l'habitude de ça. Moi je suis sur le même crayon en haut et en bas. Toi t'es en crayon, crayon quoi. C'est ça. Et si j'ai testé, tu m'avais donné un truc, c'est L'Oréal ou... Un eyeliner L'Oréal. Ouais. Bon, en fait, si des fois je le mets, ça marche bien. Ouais, ça marche. J'ai pensé moi cette semaine à me refaire un petit trait. C'est nice l'eyeliner. Franchement, je pense que c'est parce que dans les souvenirs Facebook, ils sont vraiment pas très très encourageants ces derniers temps. Ou je suis blonde. Oh, merci, non. Merci. On fait une petite aparté. J'ai envie de vous dire merci les girls et les boys, je sais pas qui a dit ça, mais en tout cas merci d'avoir dit que j'étais blonde. Il y a, donc c'était une photo de 2012. Ah si, c'était quand j'ai fait un souvenir sur Instagram, donc j'ai montré la première photo avec Akilou. C'est ça, 2012. Vos réponses c'était, ah mais Akilou est blonde. Voilà, souvenez-vous. Est-ce que vous nous suivez depuis le début? Ou Akilou braillait à tout va qu'elle était blonde et moi j'étais là, écoute, stop it right now. Bon là non, parce que maintenant je fais un aîné, donc voilà. Forcément ils sont plus foncés. Effectivement t'étais plus claire, mais pour moi ça c'est pas blond quoi. Mais j'étais tellement happy que vous étiez blasée. Moi j'étais tellement blasée. Elle me l'a quand même envoyé, elle aurait pu être blasée, jamais me le voilà. Dire. Là je devais me rendre à l'évidence, vous avez été plusieurs à le remarquer et bon bah écoutez... Ça n'empêche pas que je garde. Tu vois, ouais, je laisse pas rester son truc. Ah hein. Non, mais pour moi, blonde, c'est Paris Hilton. Non, mais. Bah, et moi, je te dis, tu demanderas à n'importe quel coiffeur. Ouais. Il te dira qu'il y a plusieurs goûts. Donc, ton petit eyeliner, ouais. De la marque Aiko. Oh, mais c'est canon en plus. Cette femme, une petite. Une belle pointe. C'est le terme, t'as raison. Bah ouais. C'est ça. Sacrée belle pointe. Bon, ça coûte quand même 20 balles. Ouais, ben c'est un beau cadeau. Ouais. Ça fait déjà la box. Bah oui, parce que t'as ton format. Oui, là c'est. Ouais, parce que là c'est vraiment. Et donc cette marque-là, on l'a déjà eu il y a longtemps. Je pense que t'as déjà eu des produits pour les yeux, comme le nom l'indique, Aiko. On sera la petite conclusion. Bah oui, c'est ça. Ce sera la petite conclusion de ce Aiko. Produit. Aiko. Aiko. London. Il a réussi à passer. La frontière. Non mais je vous jure, alors, parce que je vais raconter la seconde aparté. Donc à la gare de Lille, il y a un Marks & Spencer. Ouais. Et j'adore quand je prends le train, me prendre un petit truc, un petit casse-dalle de chez eux. Il y a toujours plein de trucs petits qui n'avancent. Voilà. Non, bah, moi en plus moi je suis pas du tout, sucrée, mais un petit truc salé. Mais en fait avec le Brexit, en fait les rayons sont vides, donc c'est bloqué. Voilà, ça l'histoire. C'est pour ça que je disais, il a réussi à passer la frontière. On poursuit. Un gommage doux visage à l'aloe vera bio. Non mais par contre, c'est de chez Made in France. Non, de chez La Rosée. Parce que Made in France. Ça pourrait être un magasin qui s'appelle Made in France. Là, je me rassois. C'est pas on recommence. Bon, La Rosée, c'est une super marque. Oui, on a déjà eu. J'ai déjà eu. Et là, t'as encore un format avant, petit. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Bon, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai un gommage à terminer. Mais canon, gommage visage. Ouais. Alors, les petits grains, qu'est-ce que c'est? Des billes de cire de jojoba. En plus, c'est beau quoi. Ouais. C'est fresh. Fait... Ouais. C'est fresh. C'est fresh et so fresh. Hein, non, mais canon. On va finir l'autre et puis on ouvre. 20 balles aussi. Hop. Bah, c'est un tout doux. Qu'est-ce qui leur arrive? Mais là aussi, j'ai un gros truc. Ils se sont trompés, non? C'est pour la bonne année. Bah, ils se sont trompés. Luxéol, on connaît. Ça, on connaît. Shampoing réparateur, là, je pourrais faire 3 shampoings. C'est pas mal quand même. Parce que là, t'as 75 ml. Moi, j'en ai souvent parlé cette année. Hein. Oui, c'est ma découverte de l'année. Et franchement, mes cheveux. Surtout la gamme fortifiante, la gamme réparatrice, bon elle est bien, mais moi j'aime pas trop le terme réparateur, comme si on pouvait réparer des cheveux. Mais la gamme fortifiante en épaisseur et tout, mes cheveux c'est ça n'a plus rien à voir, donc j'adore cette marque, les shampoings doux, shampoings lissants, je vous ai fait un article il y a 2 jours peut-être sur le blog. Canon, 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 moi c'est une marque que j'aime beaucoup, et alors là qu'est-ce qu'ils nous disent? Un shampoing qui va apporter un peu de réconfort à vos cheveux secs, abîmés ou cassants. Est-ce que t'as ça à Kyo? Bon, la sécheresse, sec, toujours, toujours quand c'est des cheveux frisés de toute façon. Abîmé, ben moi je les trouve pas abîmés, les cassons. T'en perds beaucoup quand tu te brosses et tout? Ben vu que je me les lave pas tous les jours, oui. Quand j'en perds parce que je pense que c'est ceux que je dois perdre dans la semaine. Quoi. Ouais, voilà. Bon, écoutez, la marque Luxéol, c'est beaucoup de compléments alimentaires et de produits cosmétiques pour répondre aux problématiques capillaires à Kilou. Bref, une marque. Et ben ça, on s'en reparlera bientôt. Franchement, tu me diras ton avis. Bah ouais. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette année. C'est ce que je te disais, hein. Là, on a bravé la neige ce matin. Pas un seul frisottis, rien. Ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé sur mes cheveux. Mais trop bien, quoi. Perfect. Perfect. À qui où? Alors, c'est l'Occitane en Provence. Ouais. Tout le monde connaît l'Occitane. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est vrai, ça te plaît pas? Si, l'Occitane en Provence. Non, non, non.
Non, mais tu vois, t'as l'air, bon, bah, tout le monde connaît. Mais non, mais c'est pour dire que tout le monde connaît l'Occitane. Ouais, non. Une petite huile de douche. Ça fait longtemps que je suis pas rentrée dans un Occitane. Ouais. À l'amande. Bon, là, tu as une petite miniature, hein, quand même. Ouais, et c'est pour nettoyant et adoucissant. C'est pour te laver, Akilou. L'huile de douche. Ok, j'avais pas entendu. Ouais. Sorry. No soucis. Bah, parfait. Une petite huile de douche. Voilà, écoute, ça mange pas de pain. Non. Et ça introduit un petit peu la box d'après ouais. avec l'amande. Bah, c'est ce que j'ai dit après. Oui, c'est vrai que c'est une supposition. Ah, mais ça, c'est super. Un petit baume à lèvres. Mon gongo. Ouais, on est sur le super ingrédient qu'on connaît pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mandarine verte et gingembre. Non, il s'appelle mon gongo. Bah, de l'huile de mon gongo, c'est un arbre africain. Ça va être le. Comment on dit? Le produit phare peut-être de 2021. Bah, bien sûr, Akilou. Bah, c'est bien parce que j'avais plus de. De baume à lèvres. Ah ouais. Comment ça se passe, toi, l'hiver? Ah bah là, c'est dégueulasse. Là, mes lèvres, elles sont, mais dans un état, je vois. Ouais, mais moi, je pense que c'est parce que ça condense. Tu sais, ça fait de la condensation. Ouais. Et du coup, derrière, c'est ultra sec. Parce que surtout, je sais pas comment vous êtes derrière votre masque, mais moi, je fais de ces grimaces, je pense, en dessous de mon masque. Ah, j'ai la gymnastique faciale. Ah non, mais parce que des fois, c'est insupportable. Ah ouais. Non, mais moi, je le mets très peu, et déjà là, ouais. Moi, je suis dans le métro, je sors du métro, je suis obligée de le mettre dans la rue. Après la rue, j'arrive au boulot, j'enlève 5 minutes, le temps d'enlever mon manteau et tout, puis bam, j'en remets un autre derrière. Donc, ça, bien utile, bonne idée. T'as encore un format vente de 50 ml. Je sais pas. Et la trousse. Donc, on est sur 1, 2, 3, 4, 5 produits et la trousse en cadeau. C'est incroyable, ça, quand même. Ça, c'est chouette. Écoute, franchement, bon début d'année chez BCM. Ouais. C'est clair. Et ils ont dit quoi en fait? Ils disent quoi? Fresh start, c'est tout. Premier rayon de soleil du matin, le givre sur la fenêtre, la douce odeur des croissants chauds et le jus d'orange fraîchement pressé tous les matins. Bien sûr. Pour oublier 2020, on met toutes les chances de son côté. Soins vitaminés, formule boostante et routine toute fraîche, remplie d'énergie. Parfait. Parce que franchement, moi je le dis très clairement, l'hiver n'est pas du tout ma période préférée. Ah non, mais rien du tout. Je comprends pas, je me dis, ah, j'adore mettre des gros manteaux, des gros pulls, marcher comme ça sur l'air frais, sur mon visage. Non, non, moi ça me saoule. Ça fait une barbe en crâne. Ouais, j'en peux plus, j'ai froid. On est en bibindor. Ah, exactement, bonhomie. Je comprends, Akilou. Sinon, il y a les petites soldes jusqu'à moins 70% sur le site. Merci. Blessings. Ils ont beaucoup de choses à solder, peut-être. Donc, la Beautiful Box, Akilou l'a deviné. Le thème, c'est les rois mages en Galilée. C'est la galette des rois, l'amande. Je crois que c'est l'ingrédient phare. Comme on a eu la coco au mois de novembre, ouais. Et bah là, c'est l'amande. Parfait. Donc, bah écoute, je te laisse. Enjoy. Moi, je vais prendre déjà ça. Un après shampoing. Et franchement magique. Un après shampoing, je vous laisse deviner à la. À l'amande? Non. À la frangipane. Voilà, bravo. La marque c'est Linaya. Est-ce qu'on connaît ce truc-là, Akilou? Non, mais par contre, moi je connais. Je vis dans les étoiles, puis que t'es là, regarde-moi. Tu connais pas? Bah non. Linaya. Alors ça a l'air d'être soprano vu comment tu chantes. C'est vrai, j'ai reconnu soprano. J'ai reconnu, je pense que tu l'as imité. Tout le monde connaît cette chanson de soprano. Bah non, mais bon, ça me dérange. Bah en tout cas, t'as reconnu que c'était du soprano déjà. Je pense que c'est la petite vibes humoriste quoi ici. Bah je sens pas trop la frangipane. Je sais pas si toi tu le sens, mais. Oh, vite fait. 14,90€, c'est pas si cher. À l'extrait d'amande douce, coco et karité. Ouais. Parfait. C'est pas si cher pour un après-shampoing qu'on trouve dans les box par rapport à d'habitude, de 30 balles et tout. La fondatrice en a eu marre d'utiliser des produits censés prendre soin d'elle, mais remplis d'ingrédients controversés. Elle se lance donc dans la création de cosmétiques naturels à destination des grands comme des petits. Donc Linaya, c'est la contraction des prénoms de ses deux filles, Lina et Naya. Sacré bout de femme. Sacré famille. C'est un beau prénom, Linaya. Ouais, c'est pas mal. On retrouve des soins capillaires, mais aussi des produits d'hygiène. Bon, bah très bien. Bah ouais, tu as tout dit de toute façon, Akilou. On peut poursuivre. Avec une petite crème nourrissante, hydratante et apaisante des secrets d'Emily. Alors, c'est une crème visage. Ah bon. Et donc, avec de l'amande, hein, on va pas le dire à chaque fois. 20 balles. Bah écoute, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Akilou? Ah bah c'est bien ça. De l'huile d'amande douce. Ça sent pas trop fort, mais vas-y, touche. Tu vois, ouais. c'est bien, c'est onctueux. Ouais. Mais par contre, moi, c'est trop parfumé pour le visage. Ah ouais. Là, je vais me sentir. C'est vrai? Surtout que ça a un peu une odeur sucrée et tout. Mmh. Donc tu vois, ouais, trop oppressant, je pense. Pour moi, après, par contre, elle a l'air bien, effectivement, nourrissante. Bien épaisse, ouais. Ça, par contre, même pour la nuit, je pense qu'elle doit être pas mal. Je pense. On poursuit, Akilou? Mais grave. Ah, ça, j'adore cette marque. Ah oui, les petits produits. Ouais, le baume multi-usage. J'avais déjà eu en tout petit. C'est vrai? Ouais. Dans la Birchbox? Je sais plus dans quoi je l'avais eu.
Bah c'est un baume à tout faire. Ouais, c'est ça. Et en fait 15 euros pour bah on dit toujours pour les coudes, les ouais, c'est ça, les mains, bah les lèvres, ouais, le visage. Les cuticules. Moi j'ai repris l'hydratation de mes cuticules. Personne fait ça, mais je sais pas, ça m'a pris comme une envie de pisser. Moi je me suis pété un ongle en jouant au Lego ce matin. Ah, c'est un Lego. Mon ongle il avait schlac. Mais c'est ce que je me suis dit en regardant Lego Master, les gens ils doivent avoir des bouts de doigts pire que quand tu fais de la guitare. Mais grave. Ah, mais c'était. Enfin, bref, ça tu t'en sers. Ah, bah oui, t'as nos sousses avec ça. Soin ongles, mains, lèvres et cheveux. Très exactement. Mains, lèvres et cheveux. Bah voilà, je vais en mettre dans mes cheveux. Ça, j'en mettrai jamais perdu. Bah moi dans mes cheveux, rien n'est perdu. Dès que je trouve une huile, je la claque dans. Ça peut être une huile pour le visage ou machin. Bah c'est de l'huile, bah, oui, de toute façon, t'as bien raison. Ça nourrit. Ça nourrit quoi. On poursuit avec un masque gourmand naturel de chez Défiform. Exactement. Parfum fruits confits. Mais là, il n'y a pas de rapport avec Galette des Rois, si. Bah peut-être. Ah si. Parce que la galette des rois mages qu'ils ont emmenée à l'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas une autre galette en couronne avec des fruits confits? Est-ce que c'est pas le truc du Pays Basque ou je sais pas quoi là? Je pense. Franchement là je maîtrise pas. Ouais, dites-nous, mais je pense que c'est ça. Je crois qu'il y en avait deux, non? Ouais. Il n'y avait pas que cette galette. Il y avait pas que la galette frangipane. Ah, je sais pas. Je connais pas toute l'histoire. Mais fruits confits, moi ça me fait pas mal. Mais fruits, toi, t'aimes bien des trucs comme ça? Non, je suis pas fan, mais quand j'étais petite, je me souviens, tu sais, la. Attention, aparté numéro 3. Mais non, mais vous vous souvenez quand on avait des petits gâteaux emballés là tout seul? Ouais. Puis tu te dis, ah trop bien, il va y avoir du chocolat. Puis en fait, c'est pas des morceaux de chocolat, en fait, c'est des morceaux de fruits confits dégoûtés. Ouais. Bah, moi je suis. Et en fait, ça, j'ai jamais pu en manger, mais je pense que ça dépend de certains. Ça dépend des fruits en fait. Ouais. Écoute, c'est pas mon del, c'est pas mon del. Mais c'est juste que fruits confits, pour moi, c'est un morceau de sucre en fait. Oui. Un morceau aussi, de sucre mou. 35 balles hein, quand même, le petit masque. Ah ouais? Et donc, l'extrait d'avoine, du beurre de karité et de l'huile d'amande douce. Sud de la France. Est-ce que ça vient de. T'as raison, regarde. Son odeur de fruits confits donne l'eau à la bouche comme la brioche des rois. Eh, Akilou, je suis quand même pas bien sur le ouais. Ça, je connais aussi. Bah oui, Akilou, t'as déjà eu, non? C'est les vernis, mais ouais. Donc là, t'as la base. Et ah bah, c'est bien. Qui fait les deux aussi. C'est pas mal. T'as pas déjà eu ça dans une jamais. Précédente? Jamais. J'ai jamais eu Top Coat. Donc, Enigmatique, je crois que c'était ceux qui étaient dispo en. Comment ça s'appelle? Oui, en distributeur. Ouais. Et donc, une marque de vernis et de soins pour les ongles clean, quoi. Made in France, 10 balles et je remballe. Donc tu le mets et après tu mets ton vernis. J'adore cette odeur, Akilou. Ça, ça me fait trop du bien. Moi, c'est ça comme l'odeur du garage. Oui. C'est un peu ça l'odeur du garage. T'as raison. Par contre, bah, la frangipane, je sais pas. Non, parce que là, on n'est pas du tout là-dedans. Non. Et ça, c'est une boulatée, non? Et oui, j'ai pas le. Trop bien, la boulatée. La boulatée, c'est jamais perdu, hein. Ah bah, avec moi, jamais. Bah, c'est le petit gâteau. Le petit gâteau. Il est temps de vous faire un morceau de galette. Et tu peux fouiller. Bah parfait. C'est déjà pas mal, écoute. Ah bah non, mais c'est vraiment très bien. Ouais, sympa, elle est bien parce qu'elle va bien mettre, elle va bien infuser le thé. Ouais. Bah voilà, petite boubou la thé avec. Comme les rois mages en galette. Bah, est-ce que je mets couronne. Ça en musique d'un coup? La couronne, la galette, the crown. Oh là, tout ce qu'on est. On est bien. On est vraiment dans un truc holistique. Oh, ouais. Elle te sketch. Bon ben les enfants, c'est là-dessus que se termine notre vidéo. Vous allez vous en rendre. Il faut vraiment couper là. Ouais. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais. Voilà. Voilà. Ah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un pouce en haut ou en bas, comme vous voulez. J'en peux plus d'entendre des trucs comme ça. Il faut vous abonner parce que c'est gratuit. Ouais. Activez la petite cloche. Et puis bah, on se retrouve. Comme ça, vous ne ferez jamais de vidéo. Non, mais c'est vrai, c'est Akilou. Mais grave, t'es contente. Mais oui. Qu'est-ce que t'as laissé qui m'a pas dit pour la musique d'intro? On met pas chez là par contre. Ouais, mais là, on est quand même bien parti pour avoir un thème. Je mettrai soprano si tu veux. Ouais, on peut mettre soprano. Ouais. Écoutez, sinon, je vous propose aussi de participer en commentaire et de nous proposer des musiques pour les prochaines vidéos parce que là, on a fait le tour quand même. Non, parce que je propose toujours des chansons. Oui, bah, ça dépend aussi du thème. Ouais, c'est ça. Mais oui, mais après, tu dis qu'ils vont proposer des chansons. Mais ça n'a pas le thème. Non, ça sera juste pour le kiff. On pourra toujours trouver un petit lien. Je suis en train de penser, on a parlé de vernis, garage. Bon, on pourrait parler d'une voiture, non, mais tu vois, Fast and Furious. Franchement, ça peut aller très loin. Et oui, on peut toujours trouver un truc. Il n'y a pas de souci. C'est ça. Et ça peut même être le challenge de la prochaine vidéo où on aura choisi l'une de vos chansons et ouais, il faudra l'intégrer dans la vidéo. Ah ça c'est bien ça j'adore. Mais de toute façon c'est jamais compliqué avec toutes tes apartés à qui vous. On y arrivera forcément. Les enfants vous embrassent et on vous dit ciao ciao, ciao, ciao.
Inaya.